8h ce matin à Ajaccio, ouverture officielle du bureau centralisateur à la Maison Carrée. Aujourd'hui en Corse du Sud, 107 180 personnes sont susceptibles de voter. Toute la matinée, les électeurs se sont succédés dans l'isoloir, les candidats aussi. José Rossi, la tête de liste Les Républicains, a voté à Porticcio. Dans l'Alta Rocca à Sartène, Dominique Bouquin est le candidat du Front de Gauche et Hyacinthe Santoni, celui de Debout la France. Plus au sud, Camille de Rocazer, qui conduit l'autre liste de droite, était sur ses terres à Porto Vecchio. Enfin, Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, a voté lui aussi ce matin. Partout, la question est la même, la participation. À AFA, agglomération ajaccienne, on en était à 15% à 10h30, une commune où l'on vote beaucoup d'ordinaire. Même tableau dans le quartier des Salines à Ajaccio. Pas trop de monde, peut-être que ça devrait peut-être pas tarder, mais enfin là pour le moment non, c'est calme. En 2010, lors des dernières élections territoriales, le taux de participation en Corse du Sud était de 25,45% à midi.